Salut! Nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, Caston Challenge, avec 13 vies. Des baleines géantes? Inutile de tergiverser, les baleines géantes ont disparu suite à une ère glaciaire, c'est l'évidence même. D'après moi, ça ne fait pas un pli, les baleines géantes ont disparu suite à une éruption volcanique. Ah bah théorique, les baleines géantes ont disparu suite à l'évaporation des océans et la désertification du monde. Excuse-moi, je suis pas très clair. Laisse-moi t'expliquer, c'est à propos des baleines géantes. Oui. Pourquoi les baleines géantes se sont éteintes? Voilà une fascinante question. On étudie jour et nuit, mais on a besoin de fossiles pour étayer nos théories, on sait pas vraiment où en trouver. Ah bon, on a une vague idée, mais ça reste flou, il y aurait dans la région d'Ordine, au nord-est. D'autres se situeraient en Ebra, au nord-ouest. Et d'autres, enfin, au sud-ouest, dans les contrées Gerudo. Autrement dit, que des régions un peu trop dangereuses pour nous autres. Mais toi, tu m'as tout l'air d'être un explorateur chevronné, tu voudrais bien y aller à notre place? Il faudrait quelque chose qui nous permette de nous représenter les trois fossiles de baleines géantes. Ce serait bien, ce serait un schéma, une esquisse, une photo. Bon, surtout, il faut qu'on aperçoive la tête, c'est plus important. Alors ça te dit de nous ramener ça pour 300 rubis? T'aurais mieux fait de pas dire la récompense. Merci mille fois et bonne chance, je t'attends ici avec les 300 rubis. Ouais, super. Ouais. Pardon. Ouais, super. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose ici. Là, il y a un marchand. Ouais. Ah oui, tiens, salut, toi. Ah, ça veut dire qu'il y a une photo pas loin. Bah ouais, mais il doit y avoir là, c'est... Ouais. On va lui parler quand même. Oh, t'es le jeune garçon qui a trouvé la fontaine de la grande fée. Quelle heureuse. Alors, toi aussi, tu voyages? Je sais plus quelle voie je lui ai fait. Je comptais repartir, arpenter nos belles régions. Qui sait, je peux peut-être te parler de mes destinations. Souhaites-tu me montrer quelque chose? Ouais. Ah, on voit le château d'Hyrule. Cette image m'évoque le côté nord du château. Impossible que cet endroit se trouve dans la partie sud, sinon on y verrait les bâtiments et la citadelle. Oui, c'est forcément le côté nord des douves du château, j'en mettrai ma main à couper. Si tu veux t'y rendre depuis ce relais, il te suffit d'aller vers le sud-est. Mais attention, les environs du château sont extrêmement dangereux, si tu sens le danger, enfuis-toi l'ami. Sud-est, sud-est. Bah go, hein. Non, carte. Go sud-est. Let's go la photo. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse le sanctuaire. Et on avait une tour en plus vers là-bas, donc c'est très bien. C'est très bien, tout se goupille parfaitement. Et bon, alors le fond vert, il est... il est impeccable. Ah mais oui, je sais pourquoi. Ouais, j'ai oublié de faire un truc. Bon, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Tant pis. Si c'est dans ce sens-là, c'est pas grave. Si c'est dans l'autre sens, c'est chiant. J'ai jamais pris en photo les fleurs silencieux. Bon, par contre, on est à côté du sanctuaire, ce serait con de pas le faire. On va juste activer le point de TP. On le fait. Le problème, c'est que j'ai peur que... Non, mais... Ouais, faute, non. Souvenir. En fait, j'ai peur qu'après, je me décale et que je... Oh, j'oublie... ce genre de choses. Parce que c'est le problème de ce jeu. Là où le sanctuaire, bon, techniquement... Juste, on fait... Voilà, on fait la photo. Il y avait un arbre. Faut trouver un arbre. Le problème, c'est que comme on n'a pas la map là... Un peu plus compliqué. Ah bah c'est là. C'est sûr c'est là. Ah oui, la tour est là. Ouais ouais, c'est sûr. Bon, doit y avoir un gardien dans le coin, j'imagine. Ce qui nous a dit que c'était dangereux. Après quand je dis un gardien, je suis peut-être gentil. C'est juste qu'il y a des mobs là-bas. Frappé. Tant pis. Ok, bon il doit être pas loin là le souvenir. Avoue, t'es là le souvenir. Il est là. Voilà. Très bien.
celle-ci aussi, et celle-là, là-bas. Les fleurs d'Hyrule ne se contentent pas d'être belles. Ce sont aussi des matériaux de premier ordre. Oh. Celle-ci, c'est une princesse de la sérénité. Son espèce est menacée, malheureusement. Depuis quelque temps, nous les cultivons intensivement pour tenter de les sauver, mais leur nombre ne semble pas augmenter. Après tout, la princesse est peut-être vouée à disparaître. Hélas. Oh ! Tiens, regarde ça. Non seulement c'est délicieux, mais en plus, on a découvert récemment que sa consommation aurait une influence sur nos capacités. Nous menons justement une étude sur les gens de la cour pour déterminer son efficacité. Fort comme tu es, tu ferais sûrement un cobaye exceptionnel. Il faut absolument que tu y participes. Allez, fais A. Non, mais c'est pour un remède de monstre, les grenouilles Tempo Zelda. Pas sûr que nature ça se mange bien. Attendez, on peut la manger nature la grenouille? J'en ai plus. J'ai plus de grenouille. Bon, est-ce qu'on peut manger l'insecte? On peut pas manger l'insecte. Faudrait qu'on tente, hein. Mais je suis pas sûr qu'on les mange les grenouilles Tempo. Comme ça en tout cas. Bon bah voilà, petit souvenir. Bon. Voilà, il y avait quand même des bons moments. Même si globalement, elle avait l'air surtout de se foutre de la gueule de Link ou de pas l'aimer. Hein. Pour l'instant. Oh la grenouille! Parfait. On peut pas la manger. Visiblement l'expérience s'est mal passée et Link s'en souvient maintenant. Bon. Alors je voulais faire la tour et évidemment il pleut. Ouais, après, est-ce qu'on fait vraiment cette tour? Est-ce qu'on la fait vraiment maintenant? En plus, il pleut. Quoi que... Si, c'est la tour là-bas. De la zone. Non, mais on va pas faire la tour là. Tant pis, il pleut. C'est trop pénible. Ça me saoule, il pleut. On la fera plus tard, cette tour. Alors là, on va aller vers le sanctuaire. Et ensuite, on va se diriger du coup plus... de l'autre côté. Voilà. Allez. Non mais, Link, merci. Sinon je fais ça. Non. Ça. Ah, est-ce que ça tape? Ah, ça l'a pas tué. Ah, c'est nul. On fait ce qu'on peut pour les déplacements. Mais il est là le relais. Donc le sanctuaire, il était là, Hein? Hein? Il était où le sanctuaire? Il est là. Oh! 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 C'est subtil, ça y est, il y est plus. Mais on l'aura vu un peu. Il y avait un arc-en-ciel. Beau ce jeu quand même. Ouais, mon arc de chevalier à force de faire le con avec, alors que j'ai des arcs nuls, là. Autant utiliser les arcs nuls. Non. Tant pis pour le papillon. Bon, le sanctuaire. Sanctuaire de Myonatoma. Moniatoma. Je le sens mal. Ah oui, faut qu'on aille voir une statue de la déesse. Ça devient impératif. Parce que là, je suis en train de... je suis en train de refaire des trucs. Oh, de courbe en courbe. Non, ça va. C'est bon, ça. Ça a pas l'air d'être un truc où il faut qu'on tape. Non, c'est bon, ça va.
Mais non. Mais non. Non, non. Shit. Ça y est, ça commence, hein. Bon, on va tenter comme ça. Je sais pas ce qu'il faut faire pour l'instant. Mais je fais ça. Ah. Ouais, bah du coup, j'ai fait tomber la boule. Et en plus, je suis même pas passé là. D'accord. Bon, bah dans tous les cas, il faudra rejouer avec la boule. Mais après. Donc on va juste la placer genre là. Ok. Voilà, ça passe. Link, tu fais aucun effort. Aucun effort. Genre là, au bout d'un moment. Ça se cinétise ces trucs ou pas? Non, pas du tout. Si? Pourquoi il écrit que je peux figer? Ouais. Une épée électrique. J'ai plus de place. Mais t'inquiète, je vais avoir de la place. Je sais pas quoi acheter. Non mais ça en vrai. En vrai, ah ouais mais non. Non. Ça m'embête de laisser les payer. Heureusement qu'on s'est amélioré auprès de Noya. Bon, les marteaux en fer, j'en retrouverai. En plus, il usait. Voilà. Très bien. Bon, du coup. Tout ça pour ça, finalement. Ouais, on a tous les coffres. Hein. Tac. On va l'accompagner. Oh, le timing est impeccable. Ah, ça ne suffira pas, hélas. On a bien fait de l'accompagner. Par contre, me dites pas qu'il va se passer ce que je pense. Ça pousse pas du tout. Elle est où la boule? Mais non. Voilà, c'est bon. Ah, j'attends. Hein. J'attends la porte. Hein. Très bien. Bon, bah ça va. Ça va. On aura fait un souvenir. Et un sanctuaire déjà. C'est bien. C'est bien. On est à peu près efficace. À peu près. Faudrait qu'on fasse plus de sanctuaires, ceci dit. Si on va être vraiment efficace. Non mais les sanctuaires, je sais pas si on fera le 100%. Pour le coup, en fait, trop de sanctuaires. Trop de sanctuaires. Il y en a, ça va être... Oh, en plus, il y en a, ça va être chiant à récupérer. Ils vont être... Il y en a, ils vont être chiants. Genre, je suis chaud. Désolé, hein, mais... Mais c'est vrai. Bon.
Après, il n'y a pas grand-chose dans ce relais, c'est étonnant. Ouais. Donc là, il y a une tour là, mais on est d'accord que c'est pas la bonne tour. Ce serait là. Ah mais ah oui, je vois ce que c'est ça. Ce mur là, non? Je confonds peut-être avec un autre truc. Non, je pense pas. Il doit y avoir un sanctuaire aussi, un endroit. Je sais plus comment on fait. Il y a un sanctuaire. Salut. Ah bah non. Visiblement, c'est pas des Little Rock. Ah non hein. Ah non hein. Ah c'est non. C'est non. Bon là il y a un camp ennemi. Bon, on pourrait le faire pour la forme, mais est-ce réellement nécessaire? Et là c'est quoi? C'est en... D'accord. Il y a un ennemi au pif là. Il doit y avoir un coffre là. Qu'on n'en voit pas, donc peut-être pas en fait. Ça dépend le level de clipping. Alors, je pense qu'on le verrait le coffre de là. Bon. Tac. Non bah du coup j'ai plus rien pour casser les cailloux. Ok. Non, c'est pas des trucs qui se cassent, ça. On dirait un rocher qui se casse, ça, non? Ah. Elle est comment, la lune, là? Non, elle est blanche, hein. Ouais, non. Il y a eu un petit bruit. Ça m'a fait penser à la lune de sang. Oh, non, mais non! Non, en fait. Juste non, hein. Juste, on fait ça et on fait ça. Oh, non. Oh, non. Oh non. Bon, vous venez? Mais... Voilà. Ah, évidemment, elles lootent pas toutes en vrai. Hein. Par contre, normalement, elles sont là. Ah, je crois que c'est un truc à prendre en photo d'ailleurs. Ah non, c'est... C'est la chauve-souris seule. Au passage. Oh bah attendez, par contre là il passe trop proche de moi. Hein. D'un moment il faut qu'il arrête de me taunt comme ça. Hein. En fait. Hein. En fait là c'est du taunt à force. Hein. Est-ce qu'il se rapproche? Ou qu'il va passer là? Ouais ouais. Il y a un truc aussi, mais je sais pas si c'est pour tout de suite ou pas. Je sais plus. Bon. Ah, là, on est bien placé, c'est dommage. Raté. Allez, ça part où? Je le déteste. C'est bien, j'étais en hauteur. Écaille d'Ordrak. Des flammes ardentes se déchaînent dans cette écaille que l'esprit écarlate Ordrak a perdu. Il peut servir d'ingrédient, mais la cuisiner serait sans doute, sans aucun doute, du gâchis. C'est clair. Voilà. Appuyez-moi blanc. Alors par contre, je sais pas pourquoi, mais je tue un nombre de squelettes. C'est assez insane. Quoi, il est de retour? Il est revenu? Je veux bien. Hein. Normalement, c'est qu'une fois... Qu'une fois à la fois. Allez, on va ouvrir ça. Un corbeau. Bon, c'est toujours ça.
tu l'as échappé belle. La tour était là-haut, quoi. Ah, ça t'a pas suffi, tes potes, toi. T'as la bombe, ça me fait tellement de dégâts. Chaque fois, ça me surprend. Hein. Alors, je sais pas ce que j'ai bouffé, mais ça m'a bien soigné. Peut-être un peu overkill. Enfin, overheal, plutôt. Ouais. Là, y'a rien, hein, on est d'accord. Non. Bon, y'a des champis silencieux de partout. Est-ce que je les ai pris en photo, les champis silencieux? Non. Bah, maintenant, c'est fait. Ah, les champis lames. Champis lames, on les prend. Bon, on va prendre tout. Je referai de la cuisine à un moment donné, mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Ah, ce qu'on va faire, tiens, si, je sais ce qu'on va utiliser. On va utiliser un truc tempo. Voilà. Comme ça, on va plus vite. Vu qu'on se balade et qu'on marche. Ça me paraît être le bon plan. Non, mais par contre, faut que mes bombes, elles touchent, en fait. Hein. Bon, il y avait un autre truc de minerai, mais... Tout à la bombe. Ah, bon bah... Tout à la bombe. Très efficace. Ouais. Non, j'ai dit à la bombe. C'est bon pour rien. Par contre, je suis vraiment au milieu de... Au milieu du ravin, quoi. Voilà. Mais sérieux? Sérieusement? Deux flèches, ça le tue pas? Mais une bombe, oui? Après, c'est vrai que j'ai un arc nul maintenant. Ouais. Ok. Je peux monter là. J'ai peut-être moyen de monter ici. Après, je peux continuer en bas. Hein. Quitte à être en bas. Voilà. Ouais, non, mais continuons en bas. Au pire, on sait quoi, là, la montée n'est pas loin. On va utiliser au maximum notre endurance. Oh, herbe glagla. Truc qu'on n'a pas, ça. Ah, je prends vite les trucs. Ah. Deux secondes. Re. Le bug El Gato qui arrivait. Ah. Au secours. Au secours. Non. Voilà, espadon de chevalier, vite. Tac, ça c'est bon, c'est fait. Hop, on prend les herbes. Voilà. Le Tito Rock, c'est bon. Le renard, on l'a pris en photo. Paf, c'est fait. Voilà. Non. C'est ça que je veux faire. Tac, tac. On essaie de profiter au maximum de la vitesse. Donc, ah bah voilà un sanctuaire. Parfait ça. Exactement ce que je cherchais. Sanctuaire de Dunbata. Allez, on speedrun le sanctuaire. Pas du tout. Non, après, c'est vrai que je sens pas spécialement, par contre, la vitesse en plus, j'avoue. Enfin, j'ai l'impression, effectivement, que Link fait des mouvements plus rapides. Mais je me sens pas vraiment plus rapide, alors qu'on est niveau 2 et... Oh, pas à pas. Non, mais non, pas un truc... Oh. Oh.
Me dis pas que c'est pas suffisant. Ah non. Non, pire bail. Plus il faut faire attention à quand tu la lances par rapport à la boule quoi. Non mais c'est... Oh c'est... ça va être bien hein. Ah il va toute seule là. Voilà. Et bah ça commence, c'est déjà chiant. C'est déjà relou. Super. 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 C'est déjà un truc où je me dis comment je vais speedrun ça. Comment je vais faire vite. Ouais, il faut faire un truc avec ça. Mais non, vous êtes pas... Parce que moi, j'ai bien... bien une idée qui consiste à faire ça. Bon, je vais faire à la bombe, hein, si ça passe pas. Ça n'a pas bougé. Genre, même pas, ça a bougé. On va tenter la bombe, hein. La bombe, normalement, ça devrait faire son effet, quand même. Si les bombes passent... Ce qui... Ouais. Non, mais me dites pas que je suis censé... Oh. Oh. J'ai... Oh. Ça pour ça. Alors attendez, on va setup. Non, il faut pas que je le fasse comme ça. Faut que je fasse ça. 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 Ah merci. Pendant un instant, je me suis dit, ça sert à rien. Ça n'a rien fait. Non, c'est bon. Ok. J'imagine que c'est un peu la même strat là, quoi. Ah, mon remède de vitesse, là. Un peu la même là, hein. Non. Ah. Ah ouais, c'est là où ça va être complexe, ouais, je vois. Oh là là. Sérieusement? Ça va être pénible. Adieu le buff de vitesse. Non mais c'est bon, on a compris. Ah ça suffit même pas. Oh, cruelle déception. Terrible désillusion. Comme dirait un grand homme. Allez. Oh non, non, no. Non, non, no. J'ai encore plus foiré à chaque coup, mais c'est terrible. Hmm.
Adieu le buff. Oh bah adieu la bombe aussi. Voilà. Mais pourquoi j'arrive à... Comment je fais pour la décaler encore plus à chaque coup? Alors que j'essaie de pas la décaler et de la mettre dans l'autre côté, de l'autre côté. C'est quand même... incroyable. Dernier moment. On l'a fait. Ok. Bon, ça m'a coûté un espadon de chevalier, mais... Un arc du faucon. Cet arc, fabriqué par un artisan piaf réputé, est très apprécié des guerriers piaf, excellent dans les combats aériens, et est plus rapide à bander qu'un arc ordinaire. Ah oui, mais alors... Alors, comment te dire que... l'arc, voilà... Voilà, cet arc-là, là, voilà. Ah non, non. L'arc du faucon, je crois que c'est très très bien. Je crois que c'est très 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 bien l'arc du faucon. Je confonds avec l'autre arc. Peut-être un autre arc encore, mais... Il me semble qu'il est bien quand même. Ah, il reste un coffre. Après, c'est peut-être pas fini. Hein. Si. Mais il reste un coffre. On va faire ça. Hein. D'accord. Bon bah il est dans cette direction. Non, c'est pas ça que je... Ah, au secours. Quelque chose me dit que je vais avoir du mal à la pousser dans la pente. J'ai envie de vous dire, un coup de bombe, ça serait que ça. Bon. Voilà. Bon, je me rappelais plus trop de cette énigme-là. Enfin, ces énigmes-là, je m'en rappelais plus. Longue épée électrique, cette épée magique forgée par un artisan de la famille royale d'Hyrule avec des éclairs des collines d'Hyrule, produit des décharges quand sa lame brille d'une lueur dorée. Très bien. Non, prends l'échelle, Link. Ok. Et ben, on peut y aller, hein. Je pense que là, on est bon. Voilà. Parce que là on est bon. Tac. On va pouvoir monter du coup. Pour gravir la montagne. Ou alors on va à Cocorico où il meet. On va voir la statue de la déesse. On récupère nos réceptacles. C'est-à-dire au moins un de cœur, mais peut-être deux. Peut-être deux quand même. Ouais, je pense qu'on va prendre deux et un d'endurance. On va faire ça comme ça. Ouais. Donc il vaut mieux. Finalement. Je vais me TP à Cocorico, parce que Cocorico, je sais très bien où il est, la statue de la déesse. Limite, j'ai un doute. Et limite, je crois que je vois, mais... Je crois qu'en plus c'est plus proche au final. Mais bon, tant pis. Cocorico, ouais, Cocorico, normalement on a tout fait là-bas. Pour le coup. À part s'il y a une autre quête qui se débloque après, ce qui est possible. Hein. Mais bon. Ouais, c'est toujours plaisant d'y retourner. Hein. C'est bien, moi j'aime bien Cocorico. D'ailleurs, tiens. Attendez. Bon, déjà, ben. Hein. Mais. On a quelqu'un à voir. Petit Rumi. Petit Rumi. Il est pas là. Mais il est où? Il est où ce con? Il est pas là. Ok. Choqué, déçu.
terriblement déçu. C'était peut-être un peu dangereux, ça. Au pire, on avait une tête. Oui, allez, vas-y, un cœur. Allez, donne-moi un cœur. Voilà. Notre sixième cœur. On va reprendre un cœur. Ok. Ouais. Ah, d'endurance, hein, par contre. Ouais, ouais. Ah. Ah, l'endurance. Regardez-moi ce réceptacle comme il est beau. Regardez comme il est beau ce réceptacle, voilà. Presque une jauge, une deuxième jauge entière. Presque. J'ai jamais pris en photo les cocottes. Bon, maintenant que ça c'est fait, on peut se re-téléporter là-bas. Voilà. C'était la phase, la petite phase obligatoire de je m'occupe un peu de m'améliorer parce que ça faisait un moment. Hein, parce que 14 emblèmes du triomphe, ça voulait dire que ça faisait depuis le 20e sanctuaire qu'on n'en avait pas posé. Ouais. Ouais. Au moins là, on a 2 emblèmes, donc ça ira plus vite. Ça ira plus vite à 4. Et là, on monte. Là, le plan, c'est de monter. Je crois qu'on a plus d'endurance. Et ça, c'est cool. Après, je suis pas sûr d'avoir assez d'endurance pour faire l'idiot. Pour l'instant. Quoique, attendez. En fait, je suis en train de calculer. Mon truc d'endurance, là, mon truc jaune d'endurance, il est mignon, hein, mais il est dégueulasse, en fait. Donc si on peut le remplacer, c'est pas grave. Hein. Donc on va prendre un peu des risques et... Et voilà. De toute façon, là, c'est bon. Non, j'ai dit c'est bon. Très bien. Ah non, c'est ça. Moi, c'est à ça que je pensais. Ok. Alors, on continue de monter, hein. On continue de monter tranquillement. Hein. Quoi qu'on va passer par là. Parce que ça m'a l'air quand même relativement plus simple. Ok, là c'est suffisamment pentu. Pour moi. Allez. Allez, Link. Allez. Hop. Voilà. Là, on se pose là. Là, il doit y avoir un Kurogu qui traîne éventuellement dans le coin, mais bon... Je suis pas chaud. Je suis pas chaud à chercher. On va faire ça comme ça. Ok. J'arrive quand même à récupérer de l'endurance. Hein. J'ai l'impression que la pente elle est ardue au possible, mais visiblement pas tant que ça. Hein. Ouais non, pas tant que ça. Ok. Ouais bon, là je pars du principe que je vais utiliser un truc pour me rendre de l'endurance, je pense. Hein. Ah quoique, ouais ça passe en vrai, ça passe tranquille en fait, si je reste comme ça et si je fais pas le con. Ouais, ça passe, genre, je sais pas, voilà, au bout d'un moment, bon, ça passe tout seul, quoi, au bout d'un moment.
Non mais... Bon, ok, d'accord. Ouais, alors ça c'est peut-être un peu risqué. Mais bon. J'ai que ça. Ou ça. C'est des trucs nuls. C'est nul en fait. Alors que là j'ai juste besoin de ça. Ok. Bon. Si j'avais pas fait le con, j'aurais pas claqué ma barre, mais en même temps, vu ce que j'avais de barre, c'est pas très grave. Au moins, elle aura servi, quoi. Ok. Bon, je sais pas trop pourquoi je continue de monter alors que là j'ai pied à terre ici, mais. Écoutez, ça me fait plaisir, moi. Ça me fait plaisir. Donc, par contre, la tour elle était de l'autre côté, je crois. Et par contre, le souvenir, il était pas loin. Non. Non, il est plus vers là. Ok. Ah ouais, mais oui, ouais. Il faut pas qu'on se base par... Il faut pas du tout se baser par rapport à l'oiseau parce que l'oiseau il vole. Super. Mais il y a 12 milliards de sanctuaires. Pourquoi il y a deux sanctuaires là déjà qu'on voit comme ça là. Plus une tour là-bas. Bon, je pense que du coup maintenant vous l'aurez un peu compris. Hein. On va aller chez les piafs. On va aller chez les piafs. Pour commencer. Parce que vous comprendrez si vous ne connaissez pas le jeu. C'est aussi une question de se simplifier un petit peu la vie et bon voilà. Et en vrai je me dis bon bah commencer par les piafs, c'est pas. Ça me paraît pas déconnant. Peut-être que je me gourre mais. Par contre. Ah. Alors fort vent. Très fort vent. Un peu trop de vent même à mon goût là. On va se poser là. Hein. Parce que j'ai peur de pas pouvoir escalader sinon. Donc, j'ai envie de claquer tous mes trucs d'endurance. Donc bon. Dit-il avant de claquer toute son endurance. Non mais ça va, ça passait. Ça passait easy. Bon. Allez, la tour, là. La tour, en plus, la tour, elle nous donnera accès à des sanctuaires. Ça va être cool. Ouais. Ah, où ? Ouais. Allez. Mon épée royale, c'est bien de l'avoir, mais... Vraiment ? Un arc lésal robuste, très bien. Oh non. Attendez, hein, parce que là j'ai... Ah. Alors attendez deux secondes, parce que j'ai perdu l'écran. Ah oui, oui. Heureux. Ah, il a pas... ça a pas duré très longtemps.
Une hallebarde rouillée, d'accord. Alors, deux secondes. Voilà. Parce qu'il y avait un truc de game capture. Au secours. Ok. J'allais dire, elle tient bien le coup, cette hallebarde rouillée. Tu veux pas? D'accord. Je l'avais déjà. Ah, il est mort. Bah, il est mort de chute, visiblement. Ah, vraiment? Ok. Bon, je me serais gouré en plus. Enfin, je m'étais gouré dans les skis. Donc, j'ai eu un peu de chance, hein. Voilà. On lui bolosse son arme. C'est long, hein. C'est combien? C'est 4 coups. Ouais, bon, le problème de la bombe, hein. Mais au moins... Au moins c'est quand même plus rentable. Quand même. Donc on avait dit la tour, hein, à la base. Avant d'être interrompu. Mais non mais... Ça va être pénible, non? Ça va. J'ai un truc pour casser? Non. Si. Ah. Ah bah tiens, ouais, d'accord. Lune de sang. Ah bah c'est super. Super ça. On va la passer cette fois-ci. Hein. Link. La lune. Ah non, sang. Pas de Link. C'est pas enfin, ou c'est pas au début. Bon. Voilà, et ils sont tous là. C'est la fête. Hein. Paf. 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 Ils sont un peu nombreux, hein. C'est le problème. Ils sont un peu nombreux. Si c'était pas trois, je les tenterais peut-être plus facilement, mais... Là, j'avoue, c'est un peu chaud. Bon. Là, il s'agit de monter sur cette tour. Qui est relativement petite, hein, par rapport aux autres. En même temps, elle est très en hauteur de base. Donc, je veux que ça explique, sinon elle serait... limite aussi haut que... Que Vamedo. Je suis pas sûr qu'on ait le nom. Si, on a eu le nom. Par contre... Ah, par contre, c'est... Non. Me dites pas que, par contre, le truc chiant, c'est que sur tout le tour, il y a des merdes. Il y avait un tricks. Parce que oui, voilà, ces espèces de moisissures, des fois, il y a des yeux. Et quand tu détruis ces yeux, tu détruis une partie de la moisissure. Alors, c'est pas de la moisissure, c'est... C'est je sais plus quoi de Ganon, c'est le fléau, mais c'est un truc, un signe du fléau.
Mais je sais plus ce que c'est exactement. Ah, il fait froid. Il fait froid. Touk 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 touk. Ok. La carte. Ce nombre de sanctuaires à la seconde. C'est une nouvelle zone. J'aurais réussi à faire encore un autre. Encore mon truc. Ouais, c'est... Bon. Très bien. Alors, toute cette partie-là, on peut pas y accéder, hein, je vous préviens. Voilà. Et moi, mon objectif est là-bas. Par contre, je viens de voir le temps de l'épisode. On va se mettre près d'un sanctuaire et on va s'arrêter. Ah, il y a une fontaine des fées, là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On va pas aller à la fontaine des fées maintenant. Parce que de toute façon, je crois que ce serait inutile. Vous voyez, là, il y a deux sanctuaires. On voit deux sanctuaires là. Et de l'autre côté, il y a un sanctuaire. Et peut-être que de ce côté, il y a un sanctuaire aussi. Peut-être que derrière cette montagne, il y a un sanctuaire. Des sanctuaires partout. Et là, il y a un Korogu. On va faire le Korogu. On va faire le Korogu, on va s'approcher du sanctuaire. Même, je pense que là, on est assez proche, en vrai. C'est bon, allez. Mais voilà, on va s'arrêter. On va s'arrêter... Elle va pas faire une heure cette fois. Sauf si on passe 8 minutes sur le Korogu. Ah non. Mais non, mais c'est pas possible. Vous m'énervez. Vous êtes énervant. Possible ça. Au secours. Ah, d'accord. J'ai été trigger par l'autre en fait. Ok. Ah non, c'est là. Ok. Il en reste. Il en reste. Ok. Très bien. Ah ouais, non, mais là on le voit plus le sanctuaire. C'est terrible. C'est terrible. Que je vais oublier sinon. Je vais oublier, je vais pas aller au bon sanctuaire. Ah. Ça va aller, hein. J'ai confiance. C'est bon, vous voyez, il me repère pas. Là, on monte tranquille. Là, paf. Paf. Ouais, ouais, c'est ça. Allez. C'est bon. Pendant un instant, je me suis dit, non, ça passe pas. Mais en fait, c'est bon. Voilà, ça passe. Ah, oh, vraiment. Saloperie. Tac. Tac.
Tac. Je vais un pixel. Les colonnes antiques. Bah voilà. Et c'est pas de là qu'on avait la... le souvenir doit pas être loin. Je pense que le souvenir est pas loin. En plus de cela. Si c'est le cas, ce serait bien. Ce serait super. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à bientôt pour la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Quels sont les challenges ? Portez-vous bien. Bye bye.